to LA, so I'll stay home and write these songs, pretend I'll make it someday. Our friends are getting married, they're all settling down, so I'll lay here, watch the ceiling fan go round and round. Ça faisait longtemps, vous et moi, hein? Oui, je vous ai peut-être un petit peu oublié, je m'en excuse, mais je suis là, tel un papillon au mois de mai, prêt à sortir ses ailes et à revenir sur YouTube si j'en ai eu le courage et que je prends le temps de le faire. En tout cas, merci d'être là, d'être au rendez-vous après tous ces mois de non-vidéo. C'était pas une envie qui manquait, mais je pense qu'il y avait un manque d'inspiration, de motivation et surtout de temps pour faire tout ça. Mais je suis là et je me suis dit, commençons simplement avec un petit, une petite vidéo chill du dimanche où vous m'avez vu, je suis partie à la piscine, là je suis rentrée. Ah, je suis en train d'allumer ma plaque. Bref. Donc je suis rentrée et je vais faire une petite salade et je me suis dit, ça serait l'occasion de vous parler, voilà, de mes petits favoris du moment, livres, musique, films, etc. Je pense que ça peut être sympa pour remettre un peu les choses à plat entre vous et moi. Vous partagez mes coups de cœur, comme ça vous me partagez les vôtres aussi. J'avais déjà essayé un peu de filmer en début d'année. Peut-être qu'il y aura quelques extraits que je vais inclure par-ci par-là, je ne sais par quelle magie au moment du montage. Ce sera peut-être pas très fluide, mais on va voir. On va voir ce que la bonne du montage peut faire. Clairement, je me rajoute une petite pression sur les épaules. Je sais que en disant ça, la bonne du montage me déteste. Ha, je te laisse te débrouiller avec ça. And it's always gone too fast. Like a trip to the beach or the life of James Dean. Kills me to think I'm avoiding the pill. La princesse met sa couronne pour vous parler de sa fête d'anniversaire. En fait, c'était une fête que je rêvais de faire depuis des années. Sauf que, ben, toujours la peur de se lancer, la peur que personne ne réponde à l'invitation. Des peurs un peu irrationnelles, hein, mais des peurs qui ont fait des freins et qui ont fait que j'ai pas osé de me lancer juste parce que le plus grand frein, c'est que j'avais peur que personne soit disponible au même moment. Toujours la même problématique, hein, quand on devient adulte, on a un agenda de sortie prévu depuis des mois. Cette année, j'avais vraiment envie de faire une fête d'anniversaire dont je rêvais et vous avez peut-être vu mon reading vlog de Journal d'une princesse que j'ai fait en 48 heures. Si c'est pas le cas, je vous renvoie le petit i si ces trucs là existent toujours. Et voilà, c'était toujours une envie que j'avais depuis longtemps et donc en janvier je me suis dit go, on y va, on fonce, on fait péter les paillettes, la tiare, la couronne, les ballons, tout le tralala. Et clairement ça m'a fait du bien rien que de mettre des petites paillettes sur les doigts, de chiner ma tenue sur Vinted, d'acheter une petite couronne, de faire des choses entre guillemets très girly, ce qui est assez ironique puisque quand j'étais ado je détestais le rose, les paillettes, tout ce qui est princesse. Et finalement organiser cette fête ça m'a vraiment consolée. J'adore les paillettes et je crois qu'on devrait tous pouvoir dire qu'on aime les paillettes, le rose et des choses qui sont catégorisées girly et donc forcément avec un caractère négatif alors qu'on devrait pas, punaise. Donc voilà, je remercie en tout cas Journal d'une princesse, Barbie et le Eras Tour pour être là et pour renouer avec tout ce sentiment d'enfance féminine, de girlhood qu'on a tendance à avoir perdu à l'adolescence de manière volontaire ou involontaire, consciente, inconsciente. D'ailleurs j'avais envie de faire une vidéo à ce sujet là, que j'étais très motivée, sauf que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'analyse. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi, puisque j'avais déjà commencé à préparer une vidéo d'analyse dessus. Je voulais aussi parler d'un truc important quand on est adulte, bah,
On s'interroge un peu sur l'amitié, puisque c'est beaucoup plus compliqué de se faire des amis quand on est adulte. Et voilà, les amitiés, ça va, ça vient, ça se défait, ça se refait. Et parfois, ça peut être très compliqué de faire de se refaire des amis quand on est adulte, notamment parce qu'on n'a pas de lieu commun à part le travail où on peut se retrouver, mais on n'est pas toujours amis avec ses collègues. Et parfois, on veut créer une distance que je comprends parfaitement. Et je suis très reconnaissante d'avoir un groupe d'amis sains autour de moi. Et sur qui je peux compter, qui sont capables de se déplacer, de prendre des trains pour être là pour ma fête d'anniversaire, et même celles et ceux qui n'ont pas pu venir, qui pensent à moi. Donc ça fait chaud au cœur, et voilà. C'était vraiment la leçon numéro une que je peux retenir, et si vous vous sentez au début de la vingtaine, et que vous dites au secours, mes amitiés s'étiolent, je trouverai jamais d'amis, sachez que ça peut changer. Moi, je me sentais un peu dans cette même situation au début de la vingtaine. À la fin de la vingtaine, je n'ai pas encore 30 ans, mais ça arrive fortement. Eh bien, les choses évoluent, changent. C'est cool. Donc pour vous montrer mes nouvelles lectures qui rejoignent ma bibliothèque, il y a des livres que je connais très bien, d'autres non, mais que j'ai hâte de découvrir. En premier, il y a Et à la fin, il meurt. Voilà, petit instant ASMR, j'espère que vous appréciez. J'avais repéré celui-là à Montreuil il y a 2-3 ans, mais il n'avait pas fini dans mon panier. C'est une réécriture en fait des contes de fées. Et je crois que ça parle en fait des vrais, de la vraie, comment on dit, morale des contes de fées. Par exemple, Cendrillon ressemble en rien au Disney qu'on connaît. Et à la fin, les sœurs se tranchent les orteils. Donc je pense que ça reprend les vraies, morales. J'aime beaucoup les dessins, ils sont dans un ton ocre, violet. Donc c'est très joli. Voilà un petit close-up quand même de ce que ça donne. Ensuite, on a un petit coup de cœur, un petit coup de cœur. C'est le tome 2 de la bande dessinée Brume. J'ai découvert le tome 1 cet été. J'ai adoré. J'ai fait la queue quand même 1 heure et demie pour avoir ma dédicace à Montreuil et parler avec l'auteur et l'illustrateur. Vraiment gros 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 coup de cœur. Si vous aimez les bandes dessinées jeunesse, que vous aimez la sorcellerie, l'humour, la maladresse et un petit côté touchant aussi, je vous la conseille fortement. Je sais que le tome 3 sort en fin d'année. Je vais clairement relire le tome 1 avant d'enchaîner sur ce tome 2, mais j'adore. Que ça soit l'histoire, l'ambiance, les dessins. Oh là là, regardez-moi, c'est de toute beauté. Il y a un petit cochon que vous voyez ici qui s'appelle Hubert, si je ne me trompe pas, qui est le personnage le plus adorable et drôle de cette aventure. À savoir aussi que c'est inspiré d'un conte folklorique en Bretagne et que les auteurs ont été inspirés pendant le confinement, mais clairement. Du fond à la forme, à l'histoire, au personnage. Pour moi, tout est parfait. Donc, clairement, j'ai extrêmement hâte de la lire et ça va être vite rangé, je pense. Ensuite, on a le script de Normal People. Donc, oui, j'ai déjà lu le livre en français et cette fois, on m'a offert le script qui est magnifique, qui est accompagné de photographies. Donc c'est une des plus belles, je crois que j'ai préféré moi la série au livre, mais c'est une des plus belles séries que j'ai eu l'occasion de découvrir. Et clairement c'est un très très bel objet pour les fans de la série, de l'univers, voilà, des personnages. Certains trigger warning, parce que ça va parler quand même de dépression, il y a un petit peu aussi d'anorexie, de violence psychologique, tout ça, tout ça. Donc quand même à consommer quand on est dans un bon mood. Mais très très belle histoire. Et voilà, la série, je peux que vous la conseiller. C'est d'une beauté la photographie, la bande son aussi magnifique et la prestation des deux acteurs incroyable. Et un très très bel objet. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est une de mes scènes préférées de la série quand ça se passe en Italie. Et j'aime beaucoup cette scène. Voilà.
Ensuite, on est sur un livre que je ne connais pas, mais qui a l'air franchement incroyable, qui s'appelle Vainqueuse, où là, d'après ce que j'ai compris, c'est une histoire de mythologie, où on est un peu sur une histoire antique, et je sens que ça respire l'héroïne badass et le patriarcat. Je ne sais pas pourquoi, c'est la vibe que me donne ce roman, j'en avais pas entendu parler, mais j'ai hâte de le découvrir. En plus il brille, magnifique. Et enfin, Ils abusent grave, ça, une bande dessinée qui mêle féminisme et histoire. Je pense qu'il n'y a pas besoin de m'en demander plus en fait. C'est génial. Enfin, en tout cas, ça m'a l'air génial. C'est pas forcément moi les dessins, pour être honnête, que je préfère en termes de graphisme, mais le concept a l'air trop bien. Donc il y a un petit peu de tout, comme vous voyez, de la jeunesse, du fait divers, du féminisme, sciences humaines, du fantastique, de la BD. Et aussi, je voulais vous montrer quand même deux petits cadeaux que j'ai eu qui sont adorables. Un tote bag matelassé fait main. Autant vous dire que c'était mon rêve. Mon feed Pinterest est rempli de ce genre de trucs. Le fait en plus que ça a été fait main par une de mes collègues, trop d'amour. Il est magnifique. Je vais passer tout mon printemps, tout mon été avec ce truc. Parfait pour mettre un ordi, parfait pour mettre un livre. Il y a même une petite poche. Il est incroyable. Incroyable. Vraiment, ça va être mon accessoire numéro 1. Et aussi, regardez-moi, ce tarot est incroyable. Un tarot vintage aussi qu'on m'a offert. J'en ai déjà un que j'avais acheté l'année dernière. Mais celui-là, je le trouve superbe. Notamment pour son aspect ben, voilà, ancien. Là, on a la petite note de l'oracle. Et il est incroyable. Je suis pas une pro. Hein. J'en ai un et depuis l'année dernière, je commence un peu à le regarder. Mais, et à tirer les cartes, comme ça, de temps en temps. Mais celui-là, enfin, oh là là! Très très beau, regardez-moi ça. Voilà, c'est un très bel objet, je trouve, en plus d'un tarot de manière générale. Donc voilà, j'ai été gâtée. Regardez-moi cette lumière, magnifique. Voilà pour les petits objets un peu lecture et bric-à-brac que je voulais vous montrer. Bon, un petit avocat, des tomates, du boursin, et je vais rajouter, je pense, des amandes, des croutons aussi, parfait. Tac. Que vous dire, que ma séance piscine m'a fait trop du bien, vraiment, ça faisait un mois que j'avais pas nagé, je nage sinon une fois par semaine, une heure environ, et ça me fait un bien fou. Pour les personnes qui ont mal au dos, qui font du stress, de l'anxiété, on est ensemble déjà et la piscine c'est un très très bon remède et je sais pas, il y a ce truc magique où quand on met la tête sous l'eau ben, on pense plus à rien, en tout cas c'est le cas pour moi. Je suis pas une pro ni une sirène de la natation, je suis plus un cachalot dans l'eau, mais ça passe et je passe un bon moment, donc c'est le plus important. Je voulais prendre aussi ma caméra parce que dans 3 jours, 4 jours il y a un événement très très important, le Eras Tour, Taylor Swift débarque à Paris. Voilà, donc j'ai tellement hâte et forcément il faut que je documente ça, obligé. Rien que pour la moi de 22 ans en 2018 qui avait fait un vlog, il faut que je fasse ça. Après 6 ans d'attente, après toutes les galères, après le Loverfest annulé, après la guerre des tickets, il faut que je fasse des vlogs pour ça. Donc... je vais faire des petits teasings, mais ce que je peux vous dire, c'est que en teasing, je serai habillée en folklore pour la Paris nuit numéro 1. Petit teasing qui s'affiche. Et pour Paris la nuit numéro 3, j'ai fait une tenue inspiration son dernier album. Donc voilà, petit teasing aussi qui s'affiche. J'ai essayé de le faire de manière la plus éthique possible, c'est-à-dire que les 3/4 des tenues que j'aurai pendant la tournée
sont des tenues d'occasion que j'avais déjà de seconde main sur Vinted. L'objectif, c'est pas non plus de se ruiner le porte-monnaie, sachant qu'il a pris un bon coup avec les tickets et le reste, et voilà, de faire quelque chose d'un peu plus éthique. Donc voilà, mais je vous en parlerai pendant mes vlogs, de spécialement dédié à ça. Et peut-être qu'il y aura un petit avant-goût, j'aimerais bien aller vers la salle de la Défense Arena pour faire du repérage en fin d'après-midi. Et surtout, j'ai entendu que le camion de merch est arrivé, c'est pas ouvert. Mais voilà, juste pour être sûre dans ma tête que c'est réel et commencer à me préparer psychologiquement à remercier toutes les larmes de mon corps jeudi, j'aimerais bien me préparer un minimum. Donc voilà, je sais que rien que la vue du camion avec la tête de Taylor Swift dessus, ça va faire un petit choc à mon petit cœur. Vu que je parle de Taylor Swift, parlons de musique. J'espère que vous avez tous streamé son dernier album, The Tortured Poet Department. J'ai l'impression d'avoir loupé un mot. Mais les chansons dans cet album sont beaucoup trop longues, mais c'est un parti pris et on approuve. J'ai fait un petit risque de ma réaction un peu à chaud de l'album, de mes chansons préférées, qui n'ont pas tellement changé. Donc vous pouvez voir ça sur Insta si ça vous intéresse. Et en artiste sinon, que j'ai découvert entre l'année dernière et cette année, il y en a deux dont je voulais vous parler. Le premier, c'est Noah Kahan. Donc oui, Noah Kahan, c'est peut-être un artiste qui vous est pas passé inaperçu. À part moi, il a été plus streamé que Ed Sheeran en 2023. Et son album Stick Season. Un bop il y a pas longtemps, elle est en train de décoller dans les stats, c'est Chappell Roan. Alors ça, j'ai découvert ça cet été et depuis je l'écoute en boucle. Son premier album est incroyable, allez l'écouter si vous aimez de la musique pop fun. Vraiment, enfin, c'est une artiste où il y a un vent de fraîcheur et je pense que d'ici quelques années elle va cartonner et j'espère que ça sera bientôt pour elle. Mais vraiment, enfin, son premier album est incroyable, il n'y a aucune mauvaise chanson. Merci maintenant.
pense. Donc vraiment ça fait un gros contraste entre l'album Taylor Swift qui est très un mélange de folklore et Midnight quoi, et Chapel Ronan qui est en mode yeah de la pop très très je sais pas comment dire, très catchy, un peu second degré, etc. C'est un bon contraste, mais c'est ce qu'on veut. Ok, j'ai tout, on peut discuter. J'espère que je vous saoule pas avec toutes mes recos, mais vous avez compris, on a du temps à rattraper. Là. Donc voilà, il faut que j'enchaîne là, j'ai trop de trucs à vous partager. Donc en film, si je commence crescendo avec l'année, enfin avec le début d'année 2024, Saltburn déjà. Je sais que soit on déteste, soit on adore. Et ben moi je fais partie de la team, j'ai adoré Saltburn. Comme j'ai adoré Promising Young Woman, qui est de la même réalisatrice. Et j'ai aimé le côté déluré. Je recommande. Bon petit thriller. Et en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le... C'est bah, au-delà de la discussion de la lutte sociale et tout, c'est tout l'inversement des rapports de force qu'il y a tout au long du film où on se demande en fait à la fin qui aura le dernier mot. Et ça, j'ai aimé un peu cette instabilité-là. Sur Amazon Prime aussi, j'ai vu Le Château de Verre. Oh, ça, c'est un film magnifique sur une famille, inspiré d'une histoire vraie, sur une famille un peu, qui vit dans un cadre de vie totalement décalé au-delà des codes. Et comment ça a pu affecter l'une des, enfin, les enfants de cette famille une fois qu'ils sont devenus adultes. Magnifique film, ça m'a donné envie de lire le livre. Je vous conseille. Qu'est-ce que j'ai adoré aussi récemment, il y a eu la série Netflix One Day. Le film, j'avais regardé quand j'étais ado, m'avait pas tant marqué que ça, mais la série. J'ai senti qu'il y a eu une envie de faire un peu à la Normal People avec des épisodes de 30 minutes. Très, comment on appelle ça, contemplatif, avec des longues scènes sur, de discussion qui durent parfois sur 15-20 minutes. Et j'ai adoré la musique, le jeu des personnages. Et ça m'a donné envie de lire le livre parce que je me souviens pas que dans le film, c'était découpé par année, alors que là, chaque épisode, c'est une année différente. Et la chimie, les personnages, je trouve que... Vraiment, c'était très belle pépite. Sur Amazon Prime aussi, j'ai vu Jour après jour, qui m'a donné envie de lire le roman. Oh là là, magnifique roman, magnifique film et je pense magnifique roman. C'est l'histoire de quelqu'un qui serait réincarné tous les jours dans un corps de quelqu'un d'autre. Donc en fait, il n'a pas son propre corps, sa propre identité. Ça, c'est juste errer d'un corps à un autre. Et il va, il va avoir une histoire d'amour avec une autre ado. Et très très beau film. C'est à la fois voilà, doux, triste, à la fois. Donc voilà. Si vous voulez encore une fois avoir le cœur brisé, allez-y. J'ai vu au cinéma aussi Priscilla de Sofia Coppola, que moi j'ai beaucoup aimé. Si ce film devait avoir une chanson de référence, pour moi ça serait Tolerate It de Taylor Swift. Après, j'ai trouvé que Jacob et Lordi
c'est comme ça son nom de famille, en Elvis, ça allait pas du tout. Enfin, je trouve que ça matchait pas trop. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi de nouveau? Après, je vous parlais de mes livres. Bon, forcément, la saison 3 de Only Murder in the Building. J'espère que vous avez vu cette série. C'est à la fois drôle et les enquêtes sont vachement bien. Et si sur Amazon, Disney+, j'ai vu The Artful Daughter. Alors au début, c'est une série sur la médecine. Moi, j'aime pas trop ce qui est hyper graphique en termes de sang, d'opérations, etc. Mais là, j'ai adoré. Il y a un Enemies to Lover. Vraiment très bonne série historique. Je vous conseille. Et sur ce, bah, j'ai déjà plus de batterie. Donc je vais aller manger ma petite salade. Et après, je vous parle de la sélection livre. And it's always gone too fast. Like a trip to the beach. Est-ce qu'il serait pas temps de parler de bouquins? Elle est un peu là pour ça, cette chaîne aussi, non? Donc je me suis dit, en même temps que je mange mon petit dessert, parlons bouquins. De ce que j'ai pu lire, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Et voilà. Je vais pas parler, je pense, de tout, mais je vais aller de manière chronologique. Déjà, en février, j'ai lu cette romance toute mignonne, L'effet boule de neige. C'est très doux, très kiki. Et si vous aimez les tropes fake dating, vous allez kiffer. C'est pas un coup de cœur, mais vraiment, ça m'a réchauffé le cœur durant le mois de février. Donc clairement, je vous conseille L'effet boule de neige de Clara Hero. Et ça m'a donné envie de découvrir le reste de ses romans. Aussi, dernièrement, j'ai refait tous les loups. Donc du tome 1 au dernier sonata. Que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est aussi, bah, aussi bien que les autres. Et celui-là, bah, ça se passe presque sur à peine quelques jours, voire une journée, durant le festival que met en place Lou. Et voilà, très contente de ma petite dédicace aussi du Cerveau Montreuil. Voilà, je vous la montre juste pour me la péter. Mais clairement, voilà, Lou aussi, c'est les genres de saga assez réconfortantes quand on a... Bah, qu'on a une petite peine de lecture ou qu'on sait pas trop quoi lire, ce qui était un peu mon cas, j'avais envie de lecture rapide, douce, etc. J'ai voulu lire le fameux Midnight Library, donc je vous mettrai une photo là parce que j'ai lu sur ma liseuse, mais vous avez dû entendre parler, notamment en 2020, il y a eu un gros buzz sur ce livre, et j'ai voulu attendre la hype et j'ai bien fait, et même là, ben, ça n'a pas été très concluant. En gros, on suit l'histoire d'une femme qui est un peu perdue dans sa vie, qui a dépassé la trentaine, presque les 40 je crois, et qui ne sait pas quoi faire, elle a l'impression d'avoir tout raté quoi. Et donc elle commet un suicide, et à partir de là, elle va avoir la possibilité de voir quelle direction sa vie aurait pu avoir si elle avait fait tel choix, si elle avait consacré, si elle avait rencontré telle personne, si elle avait finalement concentré sa carrière sur ça, etc. Et je trouvais l'idée intéressante. Et ben finalement, ça l'a pas fait. Moi qui étais un peu perdue, qui voulais un peu que ce livre m'anime, m'éclaire un peu, ça n'était pas le cas. Je trouve qu'il y avait un côté un peu très survolé, un côté un peu aussi... Parfois, il y avait des textes, j'avais l'impression que c'était des... Vous savez, les citations un peu inspirantes qui mènent un peu nulle part. Il y avait néanmoins voilà, quelques réflexions intéressantes, mais pour moi, c'était pas assez approfondi, donc c'était pas une lecture concluante. Mais une lecture coup de poing que j'ai eu aussi en février, ça a été Mon mari de Maud Ventura, que j'ai emprunté à la bibliothèque, mais que je ne peux que vous conseiller. J'ai adoré ce roman qui peut se dévorer voilà, en une nuit ou en deux jours, parce qu'il est assez court et surtout il est obsédant. Vraiment comme l'histoire en elle-même, en fait on suit une femme obsédée par son mari qui sait tout de lui et qui règle sa vie dans les millimètres juste pour son époux et qui est un peu en crise à ce moment-là. Et donc on va suivre en fait comment sa semaine est découpée et quelle réflexion intérieure elle a, etc. Et comment voilà son obsession pour son mari peut vaciller. C'est
un délice. Vraiment, on se demande à la fin où est-ce que l'autrice veut nous amener. Et c'est assez percutant et glaçant à la fois. Je vous avais fait un petit reel sur le sujet, donc n'hésitez pas à le voir si ça vous intéresse. Et sinon, dernier roman que j'ai lu, il y a eu le fameux Cléopâtre et Frankenstein de Coco Mellor. J'avais hésité à lire en anglais, finalement je suis contente d'avoir attendu que la traduction française sorte, et là je l'ai lu en poche. Et pas un coup de cœur, mais vraiment c'est le genre d'histoire que j'aime bien, où on a vraiment un portrait de personnages, où on suit la psychologie des différents personnages, des relations que chacun peuvent tisser entre eux, ce qui les lie, ce qui les délie. Et donc là voilà, on suit plusieurs personnages à New York. Notamment bah, Cléopâtre et Frankenstein, c'est un couple qui ont 20-30 ans d'écart, qui se tombent amoureux, qui se marient très vite, et cet amour aussi intense va sur une désillusion et une chute aussi intense. Et on va suivre aussi l'histoire des personnages qui gravitent autour d'eux. Si vous aimez les scénarios, enfin si vous aimez pas les scénarios où il se passe pas grand chose, vous serez forcément déçu, parce qu'il ne se passe pas grand chose à part quelques éléments dramatiques assez forts. Mais si comme moi vous aimez tout ce qui est études psychologiques des personnages, un développement intérieur de ces derniers, etc. Et surtout voilà, une étude des relations qui peuvent se tisser entre eux dans une ville comme New York avec ses excès. Donc voilà pour cette revue qui était plus que nébuleuse. Et sinon, en ce moment, je jongle entre deux lectures. J'avais besoin de réconfort, donc je relis l'un de mes romans favoris, qui est En attendant Beaujangle, d'Olivier Bourdeau. Est-ce que j'ai besoin de vous en parler? Je ne sais pas, parce que il est sorti au cinéma exactement aussi, donc sûrement vous avez dû en entendre parler, mais très très beau roman, rien que pour l'écriture. Enfin, c'est un plaisir de replonger dans ce livre que j'aime tant, et qui suit voilà, l'histoire d'amour de deux parents sous l'œil innocent de cet enfant, et aussi toutes les failles de cette famille, vraiment magnifique. Et aussi j'ai commencé un livre que j'avais acheté à New York l'année dernière, Just Kid de Patti Smith. Forcément, est-ce que le nouvel album de Taylor Swift m'a influencé? Peut-être bien, c'est sûr et certain. Et je suis à peine 20 pages, mais j'ai déjà 4-5 post-it. Je trouve que c'est magnifiquement bien écrit. Il y a quelque chose de très, dans l'écriture, très doux, très simple et poétique à la fois. Et on suit en fait l'histoire de Patty et de son histoire d'amour avec Robert. Donc, c'est une histoire que je ne connais pas, mais que j'ai hâte de découvrir. Et en tout cas, ça retrace certains moments clés de leur enfance. Et notamment Patty, comment elle a eu ce goût pour la lecture et pour l'écriture. Et c'est très très beau. Et j'ai hâte de le continuer. Mais comme il est en anglais, je prends plus de temps que le reste. Et je trouve la version anglaise magnifique. Donc voilà un peu pour mes lectures du moment. Et sur ce, moi je vais manger mon petit dessert. Et aller à la Défense pour faire mon petit repérage et voir le camion Taylor Swift, et je pense que ça se terminera là. Et en tout cas, j'espère qu'en attendant de ces vidéos plus constructives, plus analyses, ces petits moments simples de vie vous plairont et vous donneront des idées de recommandations de lecture, de petits trucs à regarder. Donc voilà, j'espère que ce bric-à-brac de tout et n'importe quoi vous aura plu. Portez-vous bien et passez un bon dimanche. Why did he have the tea? They write you, but you said that you would always be in love. But you might not know.